Et donc, rebonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, escargots et non-binaires, et tout le monde, bien évidemment. Bienvenue sur cette troisième journée de ce festival e-sport entre la Corée et la Finlande. Je suis toujours en compagnie de ma très chère Pancake. Comment ça va? Ça va toujours aussi bien depuis? Ça va toujours aussi bien. Prête à commenter ce deuxième match, cette demi-finale. Et on retrouve une fois de plus Léo Souko qu'on a vu juste avant contre une équipe qu'on n'a pas encore vue dans ce tournoi, les Sirtolar, qui ont gagné 13-2 leur match précédent, mais je ne connaissais pas non plus leur adversaire. Et on jouera sur Bind. Enfin, on change de Haven, mon cher Joster. Exactement, ça va changer de Haven. On va partir sur du téléporteur au lieu du double point. Donc voilà, ça va quand même quelque chose qui va être assez intéressant. On a du coup les Osuko qui sont en attaque et les Sirtolar qui sont en défense. Alors Sirtolar quand même qui, au niveau statistique, ont quand même un léger avantage étant donné qu'ils ont perdu moins de rounds face à leurs adversaires que les Osuko. Alors maintenant, est-ce que les Osuko quand même ont eu des très très gros adversaires? Ça reste à voir. Est-ce que justement les 1KK étaient plus forts que les adversaires des Sirtolar? Sachant quand même que l'autre demi-finale, c'est Gaming Barracks face à Ella Inarta. Et tu vois que Gaming Barracks a remporté leur quart de finale face à Team Illini. 13-8 aussi, donc voilà, les Osuko, les Gaming Barracks l'ont remporté, mais avec difficulté de chaque côté. Dans tous les cas, Bind, Osuko, on a une Viper, bon, pas étonnant, Viper Raze. Cependant, on va peut-être aussi avoir une Reyna. Bon, on a une Sage hein, du côté de Nisni, ok. Voilà, le healer, ça va être Nisni ici au niveau de cette game-là, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que Adam va partir aussi sur une Reyna? Pourquoi pas, ici, double dueliste avec, tout de même, Age qui assurera la Viper, Nabalmu qui est présent sur Sova, que ce soit pour récupérer des informations ou, pourquoi pas, aider sa Viper à jouer du post-plant. Et on a plus ou moins, je crois, non, qu'on a même... Non, on n'a pas la même composition. On a la Reyna côté Freeze, la Raze côté Freeze, qui, pour le coup, est un choix qu'on sait très fort sur Bind, puisque on a des petits couloirs, on a cette chicha, on a cette lampe, où les grenades gigognes font des ravages, alors que côté de cette équipe des Sirtolar, eh bien, on jouera avec une Jett, qui, pour le coup, on la connaît, Jett, on sait qu'elle est puissante, peut-être un peu moins que les Raze sur cette map, mais qui pourrait donner des opportunités et des options totalement différentes, que ce soit dans la gestion des points ou dans l'attaque, avec pourquoi pas dans les mains une opérateur ou ce genre de choses. Exactement. Alors, attention quand même à ne pas se faire avoir au niveau de la défense. Comme vous pouvez voir, on va essayer de plutôt être agressif. Hein, avec Alafan qui va décider de partir directement vers ce middle pour essayer de faire des kills. Est-ce que ça pourrait faire travail? Oui, on réussit à faire une tête directement sur Freeze et du coup à déjà prendre l'avantage dans les premières secondes de ce match. Ouais, là on est en train d'essayer d'avancer. Karyas qui trouvera un premier kill sur Aguet. Il peut potentiellement avoir un deuxième kill ici à récupérer, mais c'est bon, c'est Nisni qui trouvera le meilleur. On est directement placé en 3 contre 4 pour cette équipe à l'attaque. Et on n'a pas énormément de points de vie. Nisni ici qui avait, je pense, déjà utilisé son heal et qui ne pourra pas l'utiliser sur lui-même. Et là, on est un petit peu zoné par ce mur de la Viper qui empêche toute opportunité sur ce point B. On essaie quand même de check derrière, voir s'il n'y a pas d'ennemis. Heureusement, pour cette équipe à l'attaque, on n'est pas venu les contrer, venir dans leur dos. Et on va sûrement pouvoir quand même assurer cette attaque sur B pour l'attaque si on décide de ne pas effectuer de rotation. Et là, on est un petit peu en train de se faire oublier, on ne fait plus de bruit. Et on veut potentiellement faire douter cette défense, Joster. Oui, surtout, je pense qu'on attendait aussi le soin de la Sage pour pouvoir justement partir à 3, vraiment, au lieu de partir avec justement 3 joueurs, dont 1 à moitié vie. Voilà, dès que c'est fait, on envoie le push, on envoie justement l'un de ce Sage. Cependant, Always Good réussit à faire une tête sur Nisni. Always Good ici, la Sage qui réussit à faire un double kill ici, Adam qui réussit à avoir à la fan. Mais d'ailleurs, on a quand même l'information du positionnement de Adam, grâce notamment à la flèche, Adam qui réussit à faire une tête sur Kexis. Sex Smith ici, très bon travail. Est-ce que l'Arena va pouvoir faire le travail? Attention, il reste plus que 12 secondes et va devoir faire des éliminations. Le Sova ici, il va plutôt. Essaye de s'enfuir. Il faut qu'il save, il a pas tort. On va être obligé ici de placer. Et voilà, Yalner qui va pouvoir du coup faire la tête en plus à travers
le mur. Bon travail ici. C'est un peu, c'est quand même un peu clutch hein, de la part de ce Sova, mais c'est vrai que c'était la bonne escrime à faire, à reculer pour forcer justement bah la Reyna à planter, puisque derrière on était dans les dernières secondes. Du coup, c'était soit fallait soit l'élimination, soit plantage de spike. Et Adom avait fait, Adom ne pouvant pas toucher le Sova, a préféré du coup par défaut utiliser le plantage de spike. Ouais, exactement, ici on a essayé de planter ce spike, mais on a eu un bon game sense sur la position de l'adversaire et on a réussi à tirer à travers ce mur, prendre ce kill pour Yalner. Et là, à côté de cette attaque, on a décidé de ne pas forcer. Il y aura uniquement Adomé qui aura tout de même un shérif, mais il peut se permettre vu qu'il a fait 3 kills round précédent. Et on va avancer sur ce point. Attention ici à cette molotov, on fait tomber Nisni directement, qui donne un très bon avantage à cette défense, qu'on avait déjà un, l'avantage de l'équipement. Mais côté de l'attaque, eh bien, on ne se démonte pas ici, on est en train d'essayer d'avancer, mais on a Tecmis beaucoup trop puissant qui va chercher ce Ace à l'aide d'un seul chargeur, deux spectres, 2-0, et aucune arme de tombée pour cette équipe qui pourra jouer ici en round de bonus. Qui du coup fait beaucoup marrer parce que Sekhmis du coup très très bon one way hein, qui a réussi du coup à mettre Nisni en difficulté, et quand elle a vu justement qu'elle ne pouvait pas faire les dégâts parce que la Sage était derrière, elle avait décidé du coup de partir directement sur une grenade acide. Très très bon travail, et là par contre derrière l'attaque elle a essayé de tout s'aligner bien comme il faut face à ce mur de Viper, l'angle mort qui était parfait de Sekhmis, et du coup directement 5-1 déjà en round 2, bon score. Ouais, ici on a un bon score. On n'est pas encore sur l'ultimate, il manque une seule orbe. Karius qui va récupérer le kill sur Nabalmu. Ici, le Marshall qui arrive tout de même à s'exprimer et continuera à s'exprimer. C'est Alafan qui prendra le kill sur Freeze. On se retrouve en 3 contre 5 directement avec cet assaut en B hein, qu'on continue, qu'on préserve. On essaie d'avancer pour Nisni, mais on s'est pris des balles. C'est Yelnor qui vient le terminer. On n'est plus que 2 pour l'attaque. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de failles, on n'arrive pas à trouver de l'espace dans cette map. J'ai l'impression que toute la map est un petit peu contrôlée par cette défense qui ne démord pas de ses positions. Exactement, il n'en démord pas, et pour cause en même temps, avec les positions qu'on a, c'est un petit peu compliqué de se déplacer ici du côté d'Adom. On réussit quand même à avoir Always Good. On a cependant l'information qui est lancée que Tang, mais derrière, le décalage n'a pas fait un très grand travail. Donc au contraire, on avait quand même l'avantage de l'arme au niveau de la vandale de Adom. Du coup, la tête a pu passer, 3 contre 2, on décide quand même d'avancer de la part d'Adom. Bon choix, puisque ça permet de mettre justement une position où on l'attend pas. Adom qui va essayer peut-être d'avancer, l'enfermer sûrement, tandis que derrière justement on a Kekmis qui avance au niveau du flanc. Il faut cependant faire attention et pas à qu'il ne va pas avoir Adom qui est blessé, qui du coup n'est qu'à 28 PV, va être obligé de reculer, passant du coup à 1 PV. Kekmis du coup qui passe par derrière et qui a aussi fait des dégâts sur Agué. Adom qui a voulu reculer, malheureusement se fait éliminer par Karies. Il ne devait tirer qu'une seule balle, une seule touche, et c'était bon. 3-0 ici pour cette défense qui fait un travail impérial. Ouais, travail impérial, on vient remporter ce round bonus, on a même récupéré des fusils d'assaut sur le champ de bataille, donc on sera full équipé sur le round à venir, tandis que ces joueurs des Osuko, eh bien, seront sur un round de cowboy, un round Red Dead Redemption, avec tout de même des shields récupérés, et un gros shield même pour Nabalmu. Attention ici à ne pas trop dépenser son argent, d'autant plus que on est sur les lignes pour ces joueurs de la défense. Karius qui vient de trouver directement une belle tête. Adomé qui croit quand même le kill sur Sekhmis, on n'arrive pas à l'aligner pour l'instant. Ici c'est un rebuffade, mais on est derrière, on tente la revenge, et c'est Freeze qui arrivera pour mettre en place un jeu de crossfire et faire tomber Karius. De derrière, à la fin, trouvera un kill, Lois Good également. Freeze se retrouve tout seul en 1 contre 3, il n'a pas d'armes, il n'a pas réussi à récupérer d'armes, et c'est le 4-0, sécurisé directement. On a perdu tout de même 2 armes, donc le round petit achat a plutôt porté ses fruits, mais on a tellement d'économies pour cette défense que c'est comme si Karies on avait été imputé de rien du tout. Bah, Karies qui a 9000, hein, donc va pouvoir partir sur une vandale, pas acheter toutes les capacités, grand bouclier, pas de problème, on a encore 4900. C'est, on est tranquille de ce côté-là. Sekhmis, cependant, au lieu, va partir quand même sur un judge, donc là, on s'attend à faire un petit peu de la mêlée, à garder l'angle cassé au niveau du middle, pourquoi pas, ou alors être particulièrement agressif de la part de Sekhmis. Ah bah oui, en même temps, si on utilise directement la capacité ultime, on bloque le middle. Comme ça, on est tranquille au niveau du A, c'est directement sous contrôle de cette Viper, on ne va pas pouvoir passer par là. Si on veut attaquer point A, faut soit passer par le spawn défenseur, soit passer par les douches. Exactement.
Il essaie d'avancer dans cette chicha. Nisni qui vient directement récupérer une balle d'opérateur. Je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas tué. Sûrement qu'il l'a dû toucher la jambe ou un mur sur le passage. Et du coup, on se redirige vers le point A. Il y a Snitch Viper qui est en place. Sekhmis qui trouve le kill sur Aki. Il est en train de perdre tous ses points de vie à l'intérieur de Snitch Viper. Faut peut-être tirer pour Sekhmis, mais on n'ose pas pour l'instant. Et les joueurs de l'attaque qui sont un petit peu confrontés au fait de se rediriger. Et j'ai l'impression que. Elle était pas étrange, Snitch Viper, j'ai l'impression qu'elle était un peu en hauteur. Oui, bah c'est justement, elle était en hauteur, mais le truc c'est que ça plie quand même au sol, donc c'est piège. T'es traître, puisque du coup ça fait les dégâts, mais tu peux pas forcément la détruire, sauf si t'es une jet et que tu vas justement dans la hauteur. Tu peux pas la détruire, mais étant donné que t'as personne pour faire un jet de hauteur, si ce n'est la raise, il faut vraiment qu'elle fasse ça de manière bien précise. Attention derrière, on essaie quand même de passer, mais le problème c'est qu'on se fait un double. On se prend un double de la part d'Alafan ici avant de mourir, dû à la grenade gigante de freeze. Du coup, élimination post-mortem, la classe, même si malheureusement on se fait avoir au passage. Sekhmis qui va du coup utiliser le téléporteur tout en prenant une vandale. Et derrière, eh bien, on va checker si on peut pas récupérer peut-être un opérateur. Voilà, on garde l'opérateur de la Pagliana. Et du coup, bah 5-0. Et quel opérateur, hein. C'était assez puissant cette petite brochette au niveau de cette chicha, double tête en plus, histoire de ne laisser aucune chance au hasard, aucune chance de se dire potentiellement je peux repartir avec 2 points de vie. Non, tu ne repartiras avec rien du tout. Et les joueurs de l'attaque, les joueurs de Suko, qui se retrouvent une fois de plus dans un round de cowboy, un round shérif. Est-ce que cette fois-ci ils arriveront à faire tomber des armes comme ça avait été le cas précédemment? Pour l'instant, Adomé, non. Puisque à la fin, est bien trop puissant avec son opérateur. C'est 2 kills d'affilée. Et au vu de comment se profile ce match, et ben là, je peux pas m'empêcher d'être déçu que Dap Point n'ait pas été autorisé à l'entrée. C'est vrai que là, du coup, ça aurait été assez drôle. On aurait eu quand même deux équipes, un pouvoir très puissant. Ag, cependant, qui était directement éliminé par Always Good. On envoie même la capacité ultime ici de la part de Alafan, alors qu'on a l'opérateur, parce qu'on sait que voilà, on a quand même qui confiance. Les combats de Sage ici avec le téléporteur. Nisni, cependant, qui est en mauvaise posture. Le Spike est sous très haute surveillance ici. Alors, à moins que la Raze fait un miracle avec son shérif, la loi, ça va pas être elle. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, on n'est pas à l'abri de surprise avec le shérif, on le sait. Il suffit d'une balle dans la tête pour faire tomber un joueur. Est-ce que cette balle dans la tête arrive sur Sekhmis? Oui, mais bah derrière, on se prend un couteau à beurre dans la tête. Celui de Alafan. Oh, quel joli geste technique. 10 sur 10 en geste technique, je pense, ici. Ça vaut pas la médaille d'or, hein, mais en tout cas, c'est vrai que c'est la beauté du mouvement quand même fait plaisir à voir. Mais la beauté du geste, surtout, c'est le fait qu'ils ont à 6-0. 6-0 à la fan, qui est un opérateur qui a 7500 crédits. Là où en face, on dépasse à peine les 2000 pour Ag, qui malheureusement ne réussit. Voilà, Ag et Nama n'ont même pas réussi à faire une élimination en 6 rounds. Juste pour dire. C'est vrai que là, on est dans des temps difficiles. Et derrière, est-ce qu'on va vraiment réussir à reset le mental pour pouvoir revenir? Karies qui vient récupérer un kill sur Nisni. Et on a Alafan, hein, qui est une fois de plus bien placé avec une très belle ligne ici. Et finalement, il fera tomber par Freeze. Freeze qui continue le travail avec un deuxième kill sur Sekhmis. On utilise cette réanimation sur la jet. On fait revenir l'opérateur Louis Good qui récupère un kill. Mais Freeze sera bel et bien présent et viendra prendre un triplé. Cette fois-ci, on s'offre un avantage pour cette équipe de l'attaque. Et on va pouvoir planter ce spike. J'ai l'impression que c'est, je crois, la première fois qu'il plante le spike que je sors. Ouais, mais là, surtout, ils ont un avantage numérique ici, 3 contre 2. Karies, cependant, qui a dû partir en impératrice pour essayer justement de compenser ce petit problème. Oh, très bonne flèche ici qui est envoyée, mais Karies, du coup, est rentré à l'intérieur, évitant aussi la flèche et mettant aussi par surprise Adom qui se fait éliminer. Mais Mabar a réussi à faire l'élimination. Et finalement, Yalner va pouvoir faire le travail. Ce Sova va du coup pouvoir diffuser le spike, donnant encore une victoire supplémentaire ici pour la défense. Cependant, quand même, on a fait tomber pas mal d'armes. Mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire tomber pas mal d'armes à une équipe dont la personne qui est le moins riche a actuellement 7250 crédits? Voilà, est-ce que c'est vraiment le plus important? Non, ça aurait été mieux de gagner le round, tu vois, de détruire son win streak. Mais malheureusement, on s'est un petit peu loupé sur la finition. C'est un petit peu là, hein, qu'on reconnaît qu'une équipe est devant une autre. C'est cette capacité de retake en infrastructure numérique
qui là a été plutôt bien joué avec des très bonnes individualités. Et moi, je te pose une question quand même. Quand je vois le pseudo de Karies, je sais pas si tu es vraiment au fait de Counter-Strike ou non, mais est-ce que tu penses que c'est une référence au joueur qui s'appelle Kenies? Ouf. Oh ouais, mais si c'est le cas, alors on a affaire à un petit connaisseur quand même, parce que bon, Kenny c'est pas n'importe qui derrière. Freeze, on se fait directement, mais Karies cependant se fait directement éliminer, donc là le petit Kenny c'est plutôt Sweet House Park là. Ouais, tu l'as dit, Freeze vient directement trouver un kill sur Alaphan. Cette fois-ci on est 4 contre 2, Sekhmis qui vient quand même faire tomber Freeze, le spike est planté, Nisni qui fait tomber Sekhmis, pourquoi pas le billet d'entrée vers un premier round ici, et c'est Nisni qui continuera le travail. Ça fait 2 rounds qui le montre qu'il est capable de prendre des bonnes actions pour son équipe, accompagné de Freeze également, qui a mis un ulti parfait pixel dans les pieds de son adversaire. On vient sécuriser le premier round. Chacun des joueurs maintenant de l'équipe a fait un kill. Est-ce que c'est pas le moment d'avoir un reset mental et de potentiellement revenir dans la rencontre, Joestar? Exactement, surtout que là, surtout depuis 2 derniers rounds, comme c'est 4 éliminations et 5 éliminations du coup au niveau de la défense. On a perdu énormément de cet avantage économique. Là, ça se voit, en fait, on a même un léger désavantage. Même si on a à peu près le même armement, la seule différence que la fan, bien évidemment, est sur l'opérateur. Avec tous ces achats, eh bien, on a moins de crédit en réserve. Au niveau de la défense, Karias en plus qui se fait directement éliminer derrière par Mabas. Cependant, Yanner qui réussit à prendre les revanches. Pareil sur Nisni avant que Mabas se fait avoir. À la fin, cependant, réussit à faire l'élimination. Du coup, 3 contre 2. On réussit cependant à faire du push sur le point B. À la fin, qui du coup savait qu'il n'avait pas du tout à avoir l'avantage au niveau du positionnement, a été obligé du coup de reculer et de se re-TP en A. Alors, malheureusement, le mur de Sage qui bloque un petit peu l'ouverture des douches pour la pauvre Jett. Entre temps, Egg. Qui du coup a mis son mur et sa capacité ultime aussi de poison. Move très intéressant. En plus, on a envoyé la grenade exactement au bon moment. Ag n'a pas regardé justement, mais c'est pas grave puisque Freeze fait justement le travail pour lui. Cependant, on a oublié que Sekhmis était aussi derrière, faisant le double kill et de co ramenant le win streak des attaquants déjà. On le reset 8 à 1. C'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. C'est-à-dire que là, si on aurait eu un 7-2. Ça aurait été excellent pour l'attaque puisque ça leur aurait redonné un avantage économique. Là, ce n'est pas le cas. On confirme au contraire au niveau de la défense cet avantage des moyens et des techniques. Et pourtant, on n'était pas loin. Hein. On n'était pas loin d'un changement de sens hein, au niveau de la navigation de ce match. Mais là, il semblerait que la vague défensive soit beaucoup trop forte. J'ai l'impression que le round qui a été remporté tout de même par ce round à l'attaque, on avait mis 3 ultis, et forcément quand on les a plus, c'est un petit peu plus difficile. Freeze qui va essayer d'avancer ici, mais il y a 3 joueurs, il a vraiment récupéré un. Quel exploit de ce joueur, mais les Riven ne partiront pas pour Agé. On essaye d'avancer dans téléporteur, mais Always Good se fait récupérer par Nisni. Situation de 3 contre 3. Karies qui peut essayer d'avancer, on utilise directement cette ulti. On a cette réanimation, mais il y a Sekhmis qui arrive dans le dos. Et pour l'instant, Sekhmis n'arrivera à rien. A Dovid pour aller sur Karies et à la fan. Et Nabalmu terminera le travail ici. On s'est totalement précipité pour la défense. Et on s'est fait ramasser par cette équipe Osuko à l'attaque qui a été vraiment bonne, qui est venue récupérer les kills, qui a su jouer les duels et les remporter, et qui montre vraiment bah, quand même un visage un petit peu différent de ce qu'elle montrait sur les premiers rounds tout de même, juste ça. Ouais, et enfin, ça commence à changer mais au niveau économique, mais malheureusement, le problème, c'est que là, il n'y a plus que 2 rounds avant le changement de sens, et du coup, ce reset économique, donc durant la plus grande partie quand même de ce premier side, la défense a eu un énorme avantage, et du coup, bah, handicapé énormément cette attaque. Maintenant, avec le changement de sens, est-ce que, quand on va voir justement ce reset économique, quand il va y avoir le changement de side, est-ce que ces Osu vont pouvoir, enfin, est-ce que justement cette équipe de Osuko vont pouvoir montrer un nouveau visage avec un léger avantage économique, avec un peu plus de moyens? Bah, c'est en tout cas ce qu'on va espérer pour eux. À Geek Troll qui est sur la fan ici, qui n'arrivera pas à s'exprimer, reste un jour dans cette fiche, c'est Karias qui prendra le kill et qui pourra s'échapper à l'aide de sa rebuffle, je suis capable de prendre un kill derrière, non, c'est peut-être qu'il arrivera à le récupérer. Yalner trouvera le kill sur Nisni tout de même, on est en 3 contre 3, mais on est en mode impératrice pour Adomé, on va essayer d'avancer directement pour Freeze, mais Yalner trouvera un deuxième kill, Nabalmu sera quand même là pour la revenge, 2 contre 2 le spike, on va potentiellement le planter, mais c'était un fake pour l'instant, et cette fois-ci, on le plantera, mais on va sûrement pouvoir jouer un crossfire ici pour la défense si on s'attend, puisqu'on aura un joueur chicha, un joueur couloir, et ça peut clairement faire la différence, ce crossfire, et le fait qu'on puisse jouer en équipe, mais j'ai l'impression qu'on s'est pas forcément attendu à Westwood qui a avancé, et malheureusement, bah là on se doute de la position de Sekhmis,
et ça va être compliqué pour lui de s'exprimer. Il essaiera quand même d'avancer dans cette fenêtre. Enfin, ça va ici désormais contre la Reina, mais on n'arrivera pas à trouver le meilleur. On essaye de dézoner la Malmu, on essaye d'avancer, et c'est Adomé qui trouvera ce kill et qui donnera le round à son équipe. 8-3, deuxième round d'affilée. Et je parlais d'Osuko qui montrait un autre visage, et ça a vraiment l'air d'être le cas, Joster. Ah, et là, ça fait plaisir. Là, finalement, ils sont rentrés dans leur game. Là, là ils sont rentrés dans leur game. Un peu tardif quand même, parce que là, il y a toujours 5 rounds d'écart pour la défense. Donc bon, ça fait un petit peu mal. Surtout bon que là, bon, la défense va être obligée de partir sur un round un peu écho pour cette fin, même si bon, ils vont essayer d'acheter le plus possible. Là, c'est avec pas forcément les meilleurs moyens. On va être, par exemple, obligé de partir sur un judge de la part de Karies avant ce changement de sens, du coup donnant un énorme avantage à cette attaque. Enfin, ils rentrent dans leur game, espérons que ça continue lors du changement de side encore une fois. C'est vraiment le mieux espéré, mais attention, on a Karies ici qui était en embuscade dans cette chicha qui prend un kilo de judge. Namamu qui essaye de dézoner un petit peu les joueurs, mais c'est bien répandu par une fureur de chasseur. Et finalement, on trouvera le meilleur sur Namamu. C'est compliqué ici hein, quand on se prend une fureur de chasseur en retour, puisque se déplacer alors qu'on tire des grandes flèches, c'est quasiment impossible. À la fin, qui a essayé d'avancer en première ligne, mais qui se fait directement récupérer par Aguet. D'ailleurs, on tente les revenge, chaque mise 3 des kills, mais on est bien récupéré pour Adomé et Nisni. On se retrouve seul maintenant pour Adomé, et on est surtout à l'autre bout, et on n'a pas le spike. Bah en fait, le Adomé s'est téléporté pensant que ses alliés allaient le suivre. Malheureusement, Adomé, bah, ton allié n'a pas pu te suivre, puisque ce jeu que tu as su, c'est dans la mort. Elle trouvait qu'elle s'est fait directement éliminer. Adomé, du coup, qui a 34 points de vie. On sait où est-ce qu'elle s'est téléportée. On a même mis un mur de sage pour être sûr. Et pendant ce temps-là, bah, on va garder la longue. Hein. On va garder la longue avec le spike. On va attendre tranquillement. Et voilà, si on n'entend pas les tirs ou si on n'entend pas le mur se détruire, c'est donc qu'elle va passer dans la longue. Et si elle essaye de faire la grande route, bah, elle va prendre tout son bon temps. Et bah, étant donné qu'on n'entend pas le mur se détruire, on sait qu'Adom va passer par la longueur. Et donc, elle va être attendue par 3 joueurs. Et c'est Karies voilà. Qui trouvera le kill. 9-3. Finalement, c'est quand même un très bon côté pour cette équipe des Zirtolar. Mais bah, Osuko montre qu'ils peuvent avoir du répondant. Et j'aimerais les voir un petit peu plus impactants sur la défense. Peut-être un side plus facile sur cette map. J'espère qu'on aura le droit à des jolis rounds comme ce qu'ils ont pu nous montrer hein, sur les deux derniers qu'ils ont remportés. En effet, espérons que là maintenant, ils vont être un petit peu plus efficaces qu'auparavant. Espérons que là, justement, lorsqu'ils se mettent en position défensive, ils vont pouvoir enfin éliminer cet égard. Parce que là, on a juste besoin de 4 rounds en tant qu'attaquant pour pouvoir le remporter. Et toi, qui étais déjà assez agressif au départ quand il était en défense, là, j'ai pas envie de savoir ce qui va être en attaque. J'ai peur que justement, bah, ils vont regagner ce premier round et du coup, regagner cet avantage économique. Ouais, c'est vrai. Attention ici, hein, Adomé qui vient directement trouver un kill tout de même. On arrive à trouver un doublé. Et c'est un petit peu tout l'avantage de cette Reyna dans un gun round. On est en train de courir dans le téléporteur pour les joueurs à l'attaque. Et ça, bah, c'est compliqué pour cette défense qui avait totalement effectué la rotation sur le point B. Mais on va potentiellement pouvoir les prendre dans le flanc ici. La raid qui est bien placée. Et est-ce qu'on est capable de faire quelque chose pour Freeze? Non, malheureusement, c'est Yelnar qui part le meilleur. On pénètre ce point pour les joueurs Zirtolar, mais on a une bonne réponse de Namalu à l'intérieur de ses écrans. On reprend le téléporteur pour Always Good, qui est en train de faire courir cette défense, mais on est seul contre 4. On met quand même ce mur, on va pouvoir planter ce spike normalement, mais il y aura bah, de la réponse ici par ces joueurs. Oh non ! On va tomber pour Always Good, et 9-4, premier round remporté. Alors je pense pas. Le doigt qui a glissé. Je pense pas que le doigt ait glissé, je pense qu'on a vu la mort dans les yeux, qu'on s'est dit on lâche tout, et finalement bah, on n'est pas mort directement. Oh non, parce que c'est quand même dommage, parce qu'elle était à deux doigts en plus, elle était à quelques microsecondes pour planter les spikes, et du coup de gagner les quelques crédits supplémentaires, malheureusement ce n'est pas le cas. Du coup, la défense qui va pouvoir obtenir ce premier round, et du coup donner cet avantage économique, en face on va plutôt être sur de l'économie, là ou de l'autre côté au niveau défensif, et bah ça va être full spectre et judge. Ouais, tu l'as dit, on a quand même un judge pour Yelner. Est-ce qu'il va être capable de faire parler la poudre de celui-ci? Nisni qui a été vu à l'intérieur de cette salle de bain. Et on a quand même ce mur hein, qui fait vraiment le travail pour Nisni. Et derrière, on a la retombée avec cette spectre, on fait tomber à la fan. Sekhmis qui s'est un petit peu caché.
Mais est-ce qu'on va avancer plus pour Nismi? Pour l'instant, on utilise son soin. On est un petit peu aidé par Agué. Et là, bah, ça se passe plutôt bien hein, pour Seosuko. Et Agué 3 le sur Karies. Bah voilà, c'est une affaire qui roule pour l'instant. Nismi qui fait tomber sa glisse également. Bah, elle roule. Elle roule, malheureusement, elle se fait directement éliminer. Hein. Nismi qui gère très très bien ici au niveau de sa défense, qui gère très très bien contrôler ses tirs. Derrière, même si Lianer réussit à faire un headshot, ce qui permet d'éliminer Nismi, eh bien, c'est la seule personne qui tombe. Et du coup, la défense reprenne encore une fois un point, mettant un écart de 2-2 et confirmant justement leur avantage économique. Cependant, derrière, l'attaque va pouvoir faire du bail, quitte à partir avec quelques crédits, avec seulement 150 crédits en réserve du côté de Lianer et aucun crédit du côté de la fan et de Always Good. C'est vrai qu'à la fin, là, c'est plus discret d'attaquer au couteau les murs, mais ça veut pas dire que t'es complètement silencieux non plus. Et c'est vrai que tu n'es pas silencieux, et là, on avait forcément ce joueur de Sage, Nismi, qui était derrière ce mur, en train d'attendre, et ça a plutôt bien fonctionné pour lui, forcément, on est venu prélever pas mal de kills hein, dans cette longue A. Maintenant, l'attaque va pouvoir démarrer un round armé, aller potentiellement sur le point B. On a split 4 joueurs qui travailleront la longue, un joueur qui travaillera la chicha. Et là, on prend un petit peu notre temps. Ici, il y a un duel pour Karies, c'est bien remporté. On a bien joué ici avec deux drones, on arrive à donner freeze et le faire tomber. On envoie directement un mur et on va pouvoir planter ce spike juste là. Exactement, tandis que malheureusement, la Reyna ici qui a été isolée du côté de la dame, je pense qu'elle sait même pas qu'il y a un... Il y a ce mur de ce Viper, il y a cette smoke. Du coup, va bientôt descendre, révélant du coup ses adversaires. Adam, cependant, on a l'information qu'elle est là. Elle réussit à faire une élimination, mais elle est quand même toujours bloquée dans la room chicha. Du coup, il faut qu'elle essaie de survivre. Surtout qu'on a une Viper qui va essayer de passer en flanque. Elle met une noyade pour essayer justement d'aveugler ses adversaires. Malheureusement, ça ne passe pas. Always Good qui a justement l'information et qui va faire l'élimination à travers le mur. Bon travail. 10 à 5, on garde cet écart de 5 points. L'attaque va pouvoir justement reprendre leur win streak. Et truc derrière, ils n'ont besoin que de 3 victoires. Ils ont quand même perdu pas mal de joueurs. Hein. Donc du coup, du côté de la femme, c'est un petit peu compliqué de savoir comment ça se passait au niveau économique. Surtout Nisni, comme tu peux le voir, va être obligé de partir avec un petit shield uniquement. Et aucun de ses alliés ne peut acheter une arme, ne peut lui acheter une arme qui est propre. On va du coup devoir partir sur une Stinger. L'arme où c'est vraiment quand t'es vraiment désespéré pour rien principal. Hein, c'est moi qu'on puisse dire. C'est pas l'arme la plus simple hein, du coup pour ce joueur ici, la Stinger. Et même on l'a revendue. On préfère finalement prendre le Frenzy. C'est dire à quel point cette arme n'est pas plébiscitée par les joueurs. Et là, l'attaque est en train de pénétrer sur ce point A. On est en train de courir. On a essayé de mettre une Energy Gun pour déjeuner, mais elle ne fera rien. Les joueurs pourront courir à l'intérieur. Always Good, qui a quand même pris des dégâts, pourra mettre ce mur et planter le spike derrière. Et on ne pourra pas l'empêcher pour cette défense. Le mur n'aura même pas réussi à être détruit. Et le spike est planté. La retake est obligatoire maintenant pour les défenseurs. Exactement. On a encore une fois personne du côté de la douche. Agué qui a réussi à faire une bonne tête ici sur Karies. On envoie l'acide du côté d'Agui, notamment au niveau de l'intérieur, pour éviter justement à ce qu'il y ait des joueurs qui s'est passé par là. On passe à travers le mur de Sage, la barrière. On réussit avec une flèche électrique à éliminer à la fan grâce à Maba. Bon travail ici, on a essayé de faire pareil. Voilà, l'élimination de Yanner. Alors qu'il est en train de reload, il ne reste plus que la Viper. Attention quand même, hein, la Viper qui peut faire des dégâts ici. Elle réussit à faire une tête, est-ce que ça va continuer? Malheureusement, voilà, il y a trop de joueurs devant elle. Elle ne pouvait rien faire, la pauvre Viper. Maintenant, faut pas oublier de diffuse. Hein, ça serait quand même dommage de perdre un round sur un oubli de bang de bouton. C'est clair, ça aurait été compliqué. Mais il y avait ce stuff post-plant, hein. Il y avait les molotovs du coup de cette chère Viper qui était présent et qui obligeait un petit peu les joueurs à attendre pour pouvoir désamorcer. C'est pour ça que ça a pris autant de temps. Cette fois-ci, les attaquants des Zirtolar seront de nouveau en petit achat, et on est en train de voir une espèce de domination de cette équipe Ozuko qui a l'air de vraiment revenir et de vraiment montrer un visage assez radieux sur cette défense roster. Effectivement, un petit peu plus radieux qu'auparavant, c'est vrai. Freeze en plus qui a réussi à faire une first pick, malheureusement il se prend une revenge par Karies qui du coup va pouvoir revenir en vie. Malheureusement les soins ne peuvent pas se passer, donc Ozuko se fait directement éliminer.
à l'attaque à de la difficulté. Là, c'est vrai que là, sans leurs armes chéries, sans le filet de sécurité économique qu'ils pouvaient avoir auparavant, c'est compliqué pour eux de pouvoir essayer d'avancer. Ils hésitent. Hein. Yanner qui essaie justement de faire le dodge magique pour pouvoir justement faire de la reconnaissance. On lui donne justement le spectre. Hein. On sait qu'on va pas survivre hein, du côté de Karies. On préfère justement laisser attendre avec l'angle cassé. Parce qu'on s'attend justement à ce que la défense soit agressive. Mais ils n'ont pas besoin, étant donné que le spike est déjà à côté d'eux. Ouais, c'est vrai. On a ce spike, tu l'as dit. On a juste à le défendre pour cette équipe Ozuko. Et on a également cette Reyna hein, qui a très peu de points de vie. On sait tout de même hein, qu'une Reyna, ça peut se redonner des points de vie si ça arrive à prendre un kill. Mais pour l'instant, c'est Adome qui trouve le kill sur lui. Yalner va tomber tout de même Adome. Et c'est Agé qui viendra clore ce round 7-10. Et on est en train de remonter doucement, mais sûrement, pour cette équipe Ozuko. Exactement. Là, pour rappel, hein, ils avaient gagné que 3 rounds lors de la première phase. Là, ils en ont gagné 4 ici, alors qu'on n'en a fait que 5. On sent qu'ils essayent de rattraper le retard qu'ils ont eu dans la phase précédente. Agé qui utilise le même spot de Viper au niveau de sa grenade acide. Donc ouais, c'est pas un spot inconnu. Maintenant, est-ce que ça va durer hein, quand même, il faut, pour rappel, 3 rounds restants pour les attaquants, 3 victoires et c'est la finale pour eux. Donc bon, il suffit que de gagner 3 fois et c'est bon pour eux. Un truc en face, c'est un petit peu plus compliqué. Karies qui a réussi à faire un double kill d'ailleurs, mettant un offensif très très bon, ce qui permet surtout d'ouvrir le point A. Ouais, c'est ça, on est en train de pénétrer ce point désormais, mais les joueurs de la défense sont en train de revenir, mais directement ce drone pour venir connaître l'information. Nisni trouvera un kill sur Sekhmis tout de même. Est-ce que Nisni peut continuer? Oui, c'est doublé pour Nisni. Et on est en train d'effectuer une rotation pour ces joueurs à l'attaque. On a pris le téléporteur. On va pouvoir mettre ce mur et sûrement planter ce spike tranquillement. La pose défaut qui est sécurisée. Et on est en train de se placer sur ce point. Tandis que, bah, on se posait toujours des questions, j'ai l'impression, pour cette défense. On va essayer cette réanimation et potentiellement prendre part au téléporteur, oui, en effet. Pour l'instant, c'est à la fin qui trouve un kill sur son opposant. On a pris du coup ce téléporteur, mais il y a Always Good qui était là à la réception. Nisni pour le triplé désormais. 2 contre 2 ici, faut réussir ses duels et Agé réussira le sien. Et bah là, il reste plus que Yalner au niveau de cette longue, au niveau de ce jardin. On a vu sa flèche de reconnaissance. On a vu Nisni. Pour l'instant, on n'arrivera pas à le faire tomber. Nisni qui essaye de désamorcer, qui pour l'instant est récupéré par Yalner. Et là, le temps est en train de filer. Yalner réussira à donner le clutch à son équipe. Et quel clutch ici! On a bien joué. On a eu un bon game sense. On a des informations. Et c'est le 11-7. Malheureusement, on perd son arme. On a mal jugé. On a mal jugé le timing ici de la part de Yalner, c'est dommage. Ah, la microseconde, hein. La microseconde toute bête. La demi-seconde toute bête ici qui, du coup, bah, le force à devoir partir sur un. Sur un spectre. Non, voilà, on va quand même lui donner un bulldog. Il a fait un clutch, c'est mignon quand même de lui donner autre qu'un spectre. On se permet quand même ça. On peut se lui permettre de lui offrir ça. Mais dans tous les cas, on a quand même une infériorité économique au niveau des attaquants. Plus que 2 rounds pour remporter le match. Espérons pour eux qu'ils vont pouvoir les prendre ces 2 rounds, parce que sinon, bah, ça va être un petit peu compliqué. C'est ce qu'on espère ici, Nisni qui va prendre le kill sur Sekhmis. Et voilà. Et là, bah, on est en train d'essayer d'avancer pour l'attaque. Yalner qui trouvera le kill sur Freeze. Et on est en 4 contre 4 désormais, avec potentiellement pas forcément de plan de jeu hein, là en tête. On a vu qu'ils sont un petit peu séparés, que le spike était un petit peu loin. Et je pense qu'on réfléchit encore sur ce qu'on va réaliser sur ce round. Pourquoi pas se diriger vers cette salle de bain, Juster. En effet, 4-4, tout terrain, tout scénario ici, tout est possible. Tout est imaginable. Oui, double blague. Je suis génie. J'adore faire des doubles blagues comme ça. En tout cas, on a un reste qui a été fait de la part de Westwood sur Sekhmis. Du coup, passant à 5-4. Mais le problème, c'est que directement remis des morts, directement envoyé dans le monde d'Hadès. On va essayer du temps de faire une flèche de reconnaissance de la part Yalner pour avoir les informations. Malheureusement, cette flèche s'est fait détruire. Nisni qui a réussi à faire un très très bon headshot sur Karies. Du coup, on avance au middle avec notamment à la fan en fer de lance. Mais est-ce que le fer de ces dagues vont pouvoir trouver cible ou est-ce qu'au contraire, ça va être la balle en acier qui va trouver la tête à la fan? Pour l'instant, on ne trouve rien. On est en train d'essayer d'avancer. Nisni qui meurt des balles de Always Good. Ce duel de Sage est remporté par la Sage de l'attaque. Et on va pouvoir
planter ce spike désormais. Aguet se récupérer par Yalner. Léger avantage pour l'équipe à l'attaque. On va essayer d'avancer couteau en main désormais pour cette jet à l'intérieur de ses lampes. Et pour la défense, bah on se replace. On est en train d'attendre tranquillement. On utilise cette impératrice. On veut tout tenter pour remporter ce round et ne pas laisser les balles de match l'équipe adverse. On utilise cette flèche de reconnaissance. Elle a vu un seul joueur. On essaie de dézoner les joueurs à l'intérieur de ses lampes. Et pour l'instant, c'est Yalner qui trouve la question à domer. Navalmu sera là pour la revenge. Et on est en train de se replacer sur le point. On va potentiellement faire le tour ici. Et Namalmu est dans une très mauvaise posture. On a bien sécurisé les zones. Et c'est Alois Good qui le fera tomber. 12-7. Et on s'offre 5 balles de match ici, Joster. Exactement, 5 balles de match. Ce qui devait arriver arriva. Hein. C'est un side qui est quand même un petit peu plus serré. Mais malheureusement, comme j'ai dit, les victoires sont beaucoup plus importantes pour les attaquants que les défenseurs. Puisque les défenseurs, eux, doivent surtout rattraper du retard. Rattraper le retard qu'ils ont eu. Lors de cette première phase, Lusuko, malheureusement, qui sont un petit peu obligés de faire du bail. Parce que sinon, c'est la défaite. Donc, ils n'ont pas vraiment d'autre choix. Et malheureusement, Freeze n'a pas les moyens. Donc, va être obligé de partir sur un shérif. Là où Egg va être obligé de partir sur un. Sur un Stinger! Et si c'est compliqué, Sekhmis qui vient même récupérer le premier kill sur Adomé, obligeant les joueurs de la défense à jouer en 4 contre 5, on n'a plus la réanimation du disponible. Nisni pourrait la trouver dans 2 orbes, mais ça paraît vraiment compliqué ici pour que ce soit un plan de jeu viable. Prise ici qui va devoir faire la différence sur ce point B, il va être attendu, il va y avoir cette impératrice, il va y avoir 4 joueurs qui lui déboulent dessus. Et pour l'instant, on n'a pas forcément prévu la chose. On essaie de se replacer, on utilise cette ulti. Freeze, il prendra un kill, mais il mourra des balles de Karias. Karias, il continue le travail en prenant directement un doublé. Yalner qui fait tomber Aguet, il reste plus qu'un seul joueur. Une seule barrière pour cette équipe Ozuko. Et oui, j'ai bien l'impression que c'est fait. Les joueurs de Zirtola vont remporter la victoire sur un triplé de Karias. 13-7. Les joueurs Zirtola s'envolent vers la finale, je sors. Exactement, Zirtolar du coup remporte ce match avec quand même plus de difficultés que leur quart de finale quand même, faut l'admettre. Malheureusement les Osuko ont rencontré plus fort que soi, c'était prévisible aussi quand on regardait ce qui s'est passé au niveau des quarts de finale en même temps. Donc bon, c'est pas, fallait s'y attendre quand même. Surtout ce qui fait très mal c'est le fait que le premier side était one-sided où on voyait vraiment la domination énorme du côté des Zirtolar qui du coup leur donnait un avantage monstrueux au niveau de la deuxième phase. Monstrueux parce qu'il n'avait besoin que de gagner que 3-4 fois et c'est bon. C'est bon, il gagnait le match. Hein. Exactement, ici, on a réussi à faire un très beau side de défense. Derrière l'attaque, c'était plus compliqué, mais comme tu l'as dit, il restait assez peu de rounds à remporter et ça fait leur affaire. D'autant plus quand derrière, on met les joueurs d'Osuko dans une situation économique difficile. En tout cas, c'est remporté pour eux. Ils s'envolent vers la finale et on n'a pas encore leurs adversaires. La finale, en tout cas, se jouera à 19h et on changera un petit peu d'équipe de cast. Donc, vous serez rejoints par Anarchy et Lizen. Et Joster, tu restes, mais tu ne prêteras plus de la voix puisque tu seras producteur et observateur. Voilà, donc si vous entendez les commentateurs se marrer ou bien se faire spalm en plein match, c'est simplement parce que mes blagues pourries, je continue, mais derrière l'écran, donc vous n'entendrez rien. Dans tous les cas, voilà, moi je continue pour cette finale qui du coup sera un BO3 en théorie. Et écoute, ça fait plaisir d'avoir pu caster avec toi, hein, ma chère Pancake. C'est un plaisir qui est partagé, en tout cas, on remerciera Spy Black qui était avec nous à la production et l'observation aujourd'hui, qui en plus de ça, est un petit peu venu en remplacement, ça devait pas être lui, donc... Merci de nous avoir suivis ici. Et en parlant de suivre, n'hésitez pas à suivre la chaîne Caster's Nest Valorant. Si vous aimez la compétition sur Valorant, nous, on essaie de vous proposer le meilleur contenu possible, en tout cas un contenu compétitif sur ce titre, avec même du contenu international. On propose, par exemple, des tournois d'Afrique du Sud. Là, on a ce tournoi qui est d'Europe du Nord-Est, et bien évidemment, des tournois en Europe de l'Ouest et dans la région OMEA globalement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre si vous aimez le contenu compétitif sur Valorant. En tout cas, c'est une fin de cast pour moi, mais ce n'est pas une fin de cast pour ce jour 3 de la Corfin. Il reste encore la finale. Donc, restez connectés et celle-ci devrait apparaître à 19h. À tout à l'heure. À tout à l'heure.